Bonjour à tous. Alors cette petite vidéo pour faire la suite en fait de la vidéo précédente concernant mes 3 premiers jours de jeûne. Donc je vous laisse découvrir la deuxième partie de mon jeûne. Donc vous découvrirez combien de jours j'ai jeûné et vous verrez mon état de jour en jour. Donc je vous rassure. Les premières vues que j'avais fait un petit peu dans la pénombre, voire même dans le noir dans ma chambre, vous n'aurez plus ce genre d'image, donc ça sera beaucoup plus agréable à regarder. Donc voilà, bah, écoutez, je vous laisse visionner tout ça et on se revoit juste après. Alors voilà, on est vendredi soir, il est 18h30, donc je termine mon 5e jour de jeûne. Donc là, je vous filme de la voiture parce que ben voilà, on est en route pour notre week-end en amoureux avec Sylvain. Et ben voilà, donc je ne fais pas de plan sur la comète. On a réservé un bed and breakfast. Donc je ne sais pas, je sais qu'on va faire Lisieux certainement, on va faire Honfleur très certainement. Et donc je ne sais pas du tout si je vais reprendre l'alimentation ou pas. Aujourd'hui, au niveau de mes ragnagnas, bien abondant, mais toujours fluide, pas de caillots. Au niveau sensation, plus du tout faim, pas de sel aujourd'hui, pipi, pas plus que ça, pas super chargé. J'ai bu de l'eau, j'ai bu que de l'eau et toujours mon infusion Thermanque le matin. Voilà, donc rien à signaler, pas de baisse de régime, pas de maux de tête comme hier, pas de, enfin voilà, tout va bien et je suis en route vers mon week-end. Alors voilà, on est mardi 15 août, donc je suis dans 2 heures, je serai à 9 jours de jeûne. Enfin, la quasi-totalité en eau. Alors, donc mon week-end en amoureux, c'est super bien passé. Donc on est allé en Normandie, j'ai fait un bed and breakfast. Donc c'était bien parce que j'avais pris mes infusions thym romarin. Donc le matin, pendant que Sylvain déjeunait, je prenais une infusion thym romarin. Voilà, Sylvain a carburé au sandwich. Dimanche soir, il a pris un kebab. Et moi, j'ai carburé à l'eau. Samedi, rien de particulier, toujours pareil. Pas de sel. Dimanche, par contre, on est allé à Honfleur. Là, j'ai eu vraiment un coup de mou. C'est vrai qu'on marchait beaucoup. Et donc, je me suis pris des fruits pressés. Donc, c'était un demi pamplemousse, un demi citron, une demi orange. Donc, j'ai bien mis 3 quarts d'heure pour l'engloutir. Donc, ça, je suis super contente. Ça veut dire peut-être que mon estomac rétrécit un petit peu. Et alors après, 2 heures après catastrophe, j'ai eu un besoin urgent, j'ai eu une grosse crampe au niveau du ventre et j'ai eu un besoin urgent d'aller aux toilettes. Et en fait, j'ai sorti des tout petits cailloux, à peu près comme ceux qu'on met dans le fond d'un aquarium, mais noirs bien entendu. La nuit s'est bien passée, le lendemain tout s'est bien passé. Ah oui, non, le lundi en fait j'ai eu plusieurs symptômes. Alors je vais pas dire des douleurs, des gènes. Donc des gènes au niveau des épaules où j'ai eu une neuroalgodystrophie. Donc c'est peut-être ça qui ressort, le reste d'un truc mal soigné. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu une oreille avec un voile, mais à chaque fois c'était voilà, c'était pas une douleur, c'était une gêne hein, qui durait on va dire 1 heure. Mon genou encore qui me fait des siennes, mais bon, est-ce que c'est pas aussi le fait de marcher beaucoup parce que voilà, on partait vers 10 h du bed and breakfast et on rentrait, il était 20 h donc on avait quasi marché toute la journée. Le dimanche, donc Honfleur.
Le lundi, donc ces petits symptômes, on est allé à Étretat, mais j'étais vraiment fatiguée, donc voilà, je ne me suis pas sentie de monter toute la côte. On s'est cantonné à bien regarder le paysage et puis on est reparti. Le soir, idem, crampes au niveau des intestins. Et en fait, j'ai fait deux selles dans la soirée, parce qu'on est rentré hier soir. Donc lundi soir, après être tard, on s'est dit on va se mettre en route tout de suite pour retrouver notre petit lapin. Et voilà, deux selles. Aujourd'hui, j'ai pas très bien dormi. J'étais très 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 fatiguée. Sylvain avait envie d'aller voir un film au cinéma qui ne me branchait pas des masses. Donc du coup, j'ai fait les magasins. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que mon corps et mon esprit aussi marchaient au ralenti. Donc je me suis pris encore une fois un petit coup de couteau. Je me suis pris un. Alors c'est mi-jus, mi-smoothie parce que les ananas sont en smoothie avec du lait de coco et de l'orange pressée. Donc là, j'ai pris ça il y a 1 heure. Donc on va voir ce que ça va donner sur mes intestins. Sinon, je me suis acheté. Alors ça aussi, je vais vous montrer. Ah, j'aurais dû le préparer avant. Alors je vous fais cette vidéo pendant que j'attends Sylvain. Ah! Alors j'avais acheté ça à la pharmacie parce que j'avais très mauvaise haleine et la semaine dernière on devait rencontrer des amis de mes beaux-parents que je voyais pour la première fois, donc je me voyais mal arriver avec une haleine de phoque. Et en fait on se rend compte qu'il y a plein, j'ai acheté ça en pharmacie et il y a plein de saloperies. Du coup aujourd'hui j'en ai profité que j'étais toute seule à faire mon shopping et je me suis acheté des cristaux de menthe. Donc ça, où il y a juste de l'huile d'agave et de la menthe, l'huile essentielle de menthe, donc beaucoup moins de cochonneries. En fait, je vous dis ça parce que je suis très embêtée, je reprends le travail demain. Demain, j'ai deux directeurs que je dois voir et j'ai franchement pas envie d'avoir une haleine de phoque devant eux. Mais j'ai pas tout à fait envie non plus de reprendre une alimentation parce que voilà, hormis la grosse fatigue d'aujourd'hui, en général je me sens plutôt bien. Je pourrais continuer encore mon jeûne une bonne semaine. Après il va falloir que je le rompe parce que voilà, j'ai un rendez-vous avec la France Crue. À mon avis, ils auront concocter des bons petits mets puisqu'ils font des ateliers cuisine et j'ai pas envie voilà, j'ai bien envie d'y goûter. Donc je pense que bon, ça sera cru, ça sera des fruits et des légumes. Donc je me dis pour un rompre un jeûne, c'est pas mal. Donc voilà, donc je fais toujours pas de plan sur la comète. Mais voilà, je sais pas si je vais encore tenir une semaine ou pas, sachant que déjà aujourd'hui, j'ai pris un fruit smoothie, un jus de fruit smoothie. Alors avec mon jus orange citron pamplemousse, ma langue était restée bien chargée. Donc là, je sais pas, je vais voir. Et puis voilà. Sinon, je pense que je vais rompre avec du melon, qui est vachement digeste. Et puis c'est la période en ce moment. C'est vrai que j'ai fait une petite fixette sur un jus de carotte. Carotte abricot, j'ai vraiment envie de ce jus de carotte abricot. Moi je suis palier pour l'instant, mais je pense que ça aussi pour mon jeûne, si ça continue à être dans ma tête, c'est quelque chose par quoi je vais commencer. Donc voilà, rien d'autre à signaler. J'ai perdu donc sur les 9 jours, enfin non, sur les 8 jours, parce que je me suis pesée ce matin, j'ai perdu un peu moins de 8 kilos, donc ça fait à peu près une moyenne de 800 grammes par jour, ce qui n'est pas non plus l'objectif. Quoique, je ne sais plus où j'ai vu ça, passé 5 jours, en fait, on va puiser dans les graisses anciennes. Donc, comme j'étais à moins 5 vendredi, je me dis, ces 3 kilos-là, peut-être que je ne vais pas les reprendre. L'espoir fait vivre. Donc voilà, un petit peu les nouvelles du jour. C'est 3
trois jours de week-end se sont super bien passés. Encore une fois, enfin Sylvain, voilà, c'est nourri de sandwich, donc ça m'a pas du tout donné envie. Le petit déj, bon, j'étais un petit peu déçue parce que la dame faisait des confitures maison et j'adore la confiture, mais bon, j'ai réussi à ne pas en prendre non plus. Et Sylvain s'est pris un kebab dimanche soir et voilà, enfin vraiment l'odeur de frites m'attire pas des masses. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Bye bye. Bon ben voilà, je viens de terminer ma journée de travail. Là, on est mercredi. Donc dimanche 7, lundi 8, mardi 9, mercredi 10. Donc je suis à mon 10e jour de jeûne. Les petites pastilles, enfin les petites pastilles de menthe dont je vous ai parlé hier fonctionnent super bien. Bah écoutez, j'ai pas de symptômes aujourd'hui. Pas de perte de poids non plus, donc je sais pas si c'est parce que j'ai pris le smoothie jus hier. Donc je verrai ça demain. Au niveau réflexion, clarté, aucun problème. Pas très bonne nuit, mais bon, parce que je reprends le travail en général, je fais pas des très bonnes nuits. Pas de sel aujourd'hui, urine pas chargée. Voilà, donc rien à signaler. Voilà, bah maintenant je vais rentrer chez moi. Bye bye. Ah si, un petit truc. Sylvain se plaint que j'arrête pas de le faire manger et que je lui concocte des petits plats. En fait, comme je me nourris d'odeur, c'est vrai que j'arrête pas de lui dire mange, 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 mange. Donc il en peut plus, le pauvre. Moi j'ai arrêté de manger, mais alors lui, il en peut plus. Bonjour. Alors voilà, on est mardi 22 août. Et je vais vous dire un petit peu où j'en suis. Donc, en fait, je n'ai pas terminé mon jeûne vendredi soir comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. En fait, j'ai eu un très grand tour de rein et des nausées sont apparues. Donc vraiment pas envie de manger. Sachant que c'était le week-end, je me suis dit je vais attendre un peu et j'ai remis ça au lendemain. Le lendemain, pareil, des grosses nausées. Par contre, quand j'ai uriné, en fait, j'ai vu dans le fond de la cuvette qu'il y avait comme du sable. Donc j'imagine que le tour de rein, en fait, c'était pour évacuer des calculs en formation. Dimanche, pareil, hein, j'avais pas du tout envie de manger, j'avais mal à la tête. Je me suis forcée quand même parce que, comme je vous avais dit, je veux vraiment avoir repris une alimentation pour le week-end prochain. Donc j'ai avalé un quart de melon. Ça a été super compliqué parce que j'avais vraiment pas envie de manger. J'ai bien mis 20 minutes pour manger mon quart de melon. 2 heures après, une fois qu'il était passé, j'ai mangé le deuxième quart. Donc du coup, dimanche soir, j'ai mangé un demi-melon. Lundi, toute la journée, j'ai eu l'estomac complètement retourné. Envie de vomir tout le temps. Enfin, vraiment un mal-être. J'avais l'impression vraiment que mon corps ne voulait pas reprendre l'alimentation, qu'il me disait « j'ai pas fini d'éliminer ». Donc il me faut encore du temps, mais bon, ben voilà, la vie fait que. Hier soir, je me suis fait, alors comme je vous avais dit, je veux réduire ma consommation alimentaire, enfin mon bol alimentaire, et du coup, j'ai pris le plus petit bol que j'avais chez moi et je l'ai rempli de crudités. Donc il y avait carottes, il y avait tomates, il y avait concombres, il y avait maïs, j'ai rajouté des algues, j'ai rajouté de l'ail, du curry, j'ai mis un peu de vinaigre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai mis un petit peu de graines de sésame. Voilà, ça a été mon repas de hier soir, des cornichons aussi. J'adore les cornichons. Et voilà, ben on verra ce que ça donne. Que ça donne là aujourd'hui. Depuis samedi, je n'ai plus de sel, donc voilà. Mes urines, bon, sont chargées le matin, mais voilà, en journée tout va bien.
Je bois à peu près 1,5 litre d'eau par jour, hein, pas excessivement non plus. Voilà, bah écoutez, affaire à suivre. Oui, si, j'ai perdu 10 kilos, mais je vous ai dit, enfin 10 kilos 100, mais je vous ai dit que c'était pas le but. Et puis je pense qu'avec une reprise alimentaire, je vais au moins reprendre 2-3 kilos pour remplir mes intestins, vu le temps qu'il faut mettre pour les vider. Donc voilà, j'ai le moral, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai pas de maux de tête. J'ai encore l'estomac un petit peu barbouillé. Donc voilà, après, je me suis couchée tard aussi cette nuit. Donc ceci explique peut-être cela. J'ai dû dormir 5 heures cette nuit. Mais sinon, tout va bien, prête pour une nouvelle journée. À bientôt! Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit partage d'expérience vous a plu. Comme quoi, ben, les personnes grosses ont quand même de la volonté parce que je mets au défi ben, tout à chacun de faire comme moi. Je ne vais pas faire cette vidéo beaucoup plus longue. Je ferai une vidéo bilan un mois ou 2 mois après. Pour vous faire un petit point sur ce que j'en ai retiré, ce que j'ai fait après, les difficultés que j'ai rencontrées ou les avantages que j'ai rencontrés. En fait, voilà, pour vous faire un petit point un mois après. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de me faire un petit like, de partager ou de me faire vos commentaires. Bye bye!